Aujourd'hui, on va regarder un mec de gauche défendre des criminels et pas des délinquants, parce que l'article parle de délinquants. On parle quand même de jeunes qui ont foutu le feu à une école à mes yeux. Quand tu fous le feu à une école et qu'il y a potentiellement des centaines de personnes dedans, j'appelle plutôt ça un crime. D'accord? Et du coup, il y a Victor Prand, candidat du nouveau Front Populaire dans la 13e circonscription de Lyon, du coup je suppose, parce qu'on est sur BFM Lyon, va défendre ces criminels. Il va leur apporter tout son soutien. On va écouter ça. Et aussi, j'aimerais avoir une pensée toute particulière pour les parents de ces deux mineurs qui sont mis en cause, pour qui la situation est très complexe en ce moment. Donc, je les soutiens là-dessus. Et aussi. Ah bah oui, c'est complexe, hein. Quand tu te fais arrêter par la police pour un crime. C'est sûr que ta situation est assez complexe. Psyodélique qui répond: Le Front Populaire soutient les délinquants qui ont mis le feu à leurs écoles. Logique, ce sont leurs électeurs. Après avoir apporté leur soutien au V, c'est au tour des pyromanes. Comme toute l'extrême gauche, ils apportent toujours leur soutien aux voyous, aux criminels et aux P-Word de la pire espèce. Il suffit juste de voir qu'ils ont investi. Des fichiers S, des terroristes, des V, et j'en passe. Et du coup, ça me fait beaucoup penser à ça. C'est un extrait des shorts de code animation. Donc, c'est des sketchs. Là, c'est en deux parties. On va voir deux shorts. On va écouter ça. On va juste rigoler. Voilà, c'est un petit moment détente. Les copains, profitez. Mon enfant s'est fait agresser devant son école et j'aimerais porter plainte. Comment? Attendez, comment vont les agresseurs? Demande pardon? Les agresseurs qui ont violenté votre enfant, enfin ça va, ils vont bien? Quoi? Bah, Je parle français ou pas? Est-ce qu'ils vont bien? Oui, j'imagine, mais enfin c'est mon enfant qui s'est fait agresser. Enfin bon, ça va quoi. Est-ce que vous savez combien ils étaient? Ouais, ils étaient à 4 contre 1. Mon dieu, à 4 contre 1, ils ont dû avoir tellement peur. Ils avaient quel âge? Je sais pas moi, des mineurs. Mon dieu. Ils étaient mineurs en plus, mais du coup, enfin c'est pas de leur faute. Mais mon enfant dans tout ça, c'est lui qui s'est fait agresser à 4 contre 1. Ils étaient mineurs, donc bon bah voilà, on pardonne et on passe à autre chose quoi, merde. Mais quand est-ce que la justice va arrêter de prendre le parti des agresseurs et commencer à prendre celui des victimes? C'est mon enfant aujourd'hui qui est traumatisé. Oh les pauvres, et puis je me mets à la place de leurs parents, c'est pouf, ça me met dans tous mes états. Mais attendez, vous comptez faire quelque chose là ou pas? Et puis oui, les parents, c'est eux qui sont responsables de leurs enfants, non? Monsieur, ils sont mineurs, donc oui, ils ont agressé votre enfant, mais enfin ils sont mineurs, donc c'est bon. Mais c'est bon de quoi? Donc là, il va rien leur arriver, tout va bien, il y a aucun problème. Oui, c'est ça. Ils sont mineurs. Mais et alors? Bah, attendez les pauvres, ils sont mineurs, ils savent pas ce qu'ils font. Attendez, s'ils sont capables de se mettre à 4 contre 1, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Mais enfin ça c'est un petit peu facile, hein. Non, moi je pense qu'il faut se mettre dans la psychologie du gamin, ou là en l'occurrence celui des agresseurs en fait pour arriver à les comprendre. Et mon enfant dans tout ça? La victime donc? Ça je sais pas, hein. Ça je vous avoue on nous apprend pas ça. Non mais ce pays est dingue quand même, c'est toujours pareil, la loi elle est toujours du côté des agresseurs, jamais des victimes. Ouais, là je peux pas vraiment vous donner tort, hein, mon frère, bon que voulez-vous? Les prisons pour mineurs ça existe pas, donc là il va rien leur arriver à ces espèces de... Attention, pas d'insultes sur mineurs, hein, parce que là ça va mal se mettre et on va pas être copains. Allez c'est bon, je me casse, je vais régler ça moi-même. Je vous le déconseille fortement, ils sont mineurs. Mais... Voilà. Quand nos sketchs ressemblent à ça... Ça donne un petit peu un aperçu de la situation du pays, quand même, mine de rien, hein? On va regarder les commentaires. Ce qui est triste, c'est que le père va faire justice lui-même et après c'est lui qui va aller en prison, alors qu'il ne fait que faire ce que les parents de la justice française devraient faire. J'ai du mal à rire tellement c'est vrai. C'est pour rire, parce qu'il y a trop de vérité là. Mais à un moment, j'ai cru le keuf à lui dire « Oh bah ça va, hein, il avait qu'à pas être tout seul aussi ». C'est tellement réaliste, personne ne parle de qui étaient les agresseurs, les fameux mineurs isolés de 40 ans, sacrés anglais du Stade de France. Voilà, c'est l'état de l'humour en France actuellement. Ici, c'est le Jarl qui partage. Le SDF qui s'était fait défoncer par deux Roumains de 14 ans dans la soirée de mercredi à jeudi, sachant que le poste date du 28 juin, donc ça devait dater de la semaine dernière, est finalement décédé. Des suites de ses blessures. Mais ne vous inquiétez pas. Les mineurs sont dehors. Ils sont mineurs. Ils auront rien. Et puis bon, c'est des petites bêtises. Voilà, on tue des gens, on brûle des écoles. Tout le monde fait des bêtises, les copains. On fait des refus obtempérés, on écrase des gens, etc. On fait des petites attaques aux fusils de guerre, d'accord? Tout va bien, c'est des petites bêtises. D'accord? On le voyait le week-end, je lui ai offert son petit café. Qu'il trouve enfin la paix. Ces deux racailles sont connus des services de police et les SDF qui viennent se réfugier la nuit auprès de mon équipe de sécurité m'ont confirmé cette nuit bien connaître ces délinquants qui s'en prenaient souvent à eux et violemment.
Les cinglés sont laissés dehors. Rien n'est fait pour protéger les plus faibles. Ici, c'est Aymeric Caron qui est parti prendre la défense d'un jeune, d'un petit ange parti trop tôt, un petit bout de chou, un choupinou d'amour, qui a dit « Sur le Coran de la Mecque, je vais ramener mes frères pour te... » Hein? Et il a dit ça à sa prof. Et du coup, évidemment, le député de gauche, Aymeric Caron, est intervenu tout de suite. Et il prend la défense de l'élève. Il prend la défense de l'élève. Mais quand je... Mais vraiment, c'est... J'ai plus les mots, hein. L'affaire se passe dans une école parisienne. On est à mi-mars. À un garçon de 10 ans, on a caché son nom. T'as 10 ans! 10 ans! Aurait lancé une menace caractérisée à son enseignante. Sur le Coran de la Mecque, je vais ramener mes frères pour te... Il venait d'être puni pour avoir participé à une bagarre. Il est changé de classe, puis d'école dans la foulée. À la demande de la famille, Aymeric Caron a pris contact avec l'inspection pour protester. Ses propos n'auraient jamais été prononcés, assure-t-il. Il l'assure, hein. Il n'était pas là, ça ne le concerne pas, mais il l'assure. Le jeune a été expulsé plusieurs fois de différentes écoles, mais il est gentil, hein, d'accord, c'est toutes les écoles qui sont contre lui. Puis bon, ça va, on a le droit de rigoler, hein. Souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon avait dit, par rapport aux pancartes « un flic de tué égale un facho en moins », on a le droit de rigoler, c'est bon. On a le droit de dire sur le Coran de la Mecque que je vais ramener mes frères et te... Hein, d'accord? Et après, je peux pas lire les commentaires. Maintenant, on va regarder quelques faits divers. Là, on est à Avignon, dans le 84. Un jeune migrant algérien, déjà sous OQTF, multipliait les cambriolages. L'ADN prélevé sur ses claquettes, régulièrement oubliées, a permis de l'identifier. Donc c'est-à-dire que le mec, il faisait ses braquages en claquettes chaussettes, et vu que bah, tu peux pas courir en claquettes, le mec à chaque fois, il perdait ses claquettes sur le lieu du crime, et on a retrouvé son ADN sur les claquettes. Non mais le niveau de nos délinquants, waouh, vraiment. L'homme de 19 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme. Donc je sais même pas s'il ira en prison. Il a multiplié les cambriolages entre fin novembre 2022 et août 2023. Pendant cette période, le jeune individu, déjà condamné par la justice française, il est dehors, et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, donc pourquoi il va en prison en France, je sais pas, a pénétré dans plus d'une dizaine d'habitations de la périphérie d'Avignon et de l'intramuros. Il y parvenait en grimpant au-dessus du grillage, mur ou palissade, ou encore en escaladant des façades et en pénétrant par des fenêtres restées ouvertes. Interpellé, le jeune Algérien en claquettes chaussettes a rapidement reconnu les faits. Il a expliqué que sa consommation importante de sandwichs avait pour effet de lui provoquer d'intenses fourmillements aux pieds qui rendaient sa marche en claquettes difficile. Pardon. Achète des chaussures, je sais pas. Partant rapidement, il oubliait ensuite régulièrement de récupérer ses claquettes. Non mais vraiment quoi. Lecture de cette information par un électeur du Front Populaire. Oh, c'est honteux. Ce pauvre enfant obligé de cambrioler en claquettes. Notre pays raciste est incapable de lui fournir des chaussures. Algérien, claquettes chaussettes, le combo. Ah, ils sont doués. Le gouvernement algérien reconnaît 80% de consanguinité dans sa population. Ceci expliquant peut-être cela. J'imagine l'odeur des claquettes. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut.